jour. Ce petit vlog va démarrer et je vais vous faire une petite surprise. Je vais voir une amie. Coucou mes amis, alors je vais quelque part et vous allez voir, vous connaissez très bien cette personne, mais c'est une petite surprise. Alors voilà, ben, je suis dans le train, je pars pour la mer. À bientôt! En attendant, je vais mettre le rouge à lèvres NYX, le numéro 71. Voici ce petit sac à dos que j'adore, qui est vraiment très très bien, dont je vous ai présenté. Et en fait, il y a une petite pochette devant, on peut l'ouvrir, c'est vraiment super. On peut mettre des choses dedans, on peut s'en servir. Il y a des petites pochettes sur le côté. Et en même temps, il est pliable, c'est vraiment super, on peut s'en servir comme petit coussin. Et voilà mon ventilateur que je viens d'utiliser de chez Action. Et là, je suis en train de lire un petit livre et je vais mettre du rouge à lèvres. Du rouge à lèvres NYX, que j'adore. Et ça, c'est ma petite pochette que je vais vous présenter avec tout mon maquillage. Vous allez voir. Alors, là, c'est le produit de chez L'Oréal. Je m'en sers tous les jours. J'adore ce produit. Il est vraiment sensationnel. Ceci est un... j'ai un trou. Voilà ma petite palette à sourcils. Je m'en sers pour les sourcils, mais je m'en sers aussi pour les racines des cheveux. C'est-à-dire, je prends mon petit pinceau et je le mets sur mes cheveux et à la racine, ce qui fait que ça les cache. Tout est marron, c'est parfait. Je suis très très satisfaite de ça. Il y a aussi le crayon Brow Artist de L'Oréal. Franchement, il est pas mal du tout. Au début, je disais que j'étais déçue, mais sincèrement, non, je suis pas déçue. J'aime bien et franchement, c'est très agréable à mettre. En fait, je vous le recommande, il est très très bien. J'ai un petit gloss blanc que j'ai eu dans un magazine. Je suis pas déçue non plus, il est très joli. Il est très sympa. Je l'aime bien. Je l'apprécie beaucoup. Alors ça, c'est un rouge à lèvres que j'ai, comme je vous ai dit une fois dans une de mes vidéos, je ne le connais pas, mais il est très très bien, il est rose. Et bien sûr, j'ai mon petit pinceau pour mes racines tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, en fait, je vais vous faire une petite démonstration. Je prends ma petite palette et je mets du marron partout. Et j'adore, j'adore, j'adore. Bien sûr, il me faut l'indispensable. C'est vraiment indispensable. Le petit crayon, on ne sait jamais. Comme ça, je l'ai toujours sur le coude. Je suis très contente. J'ai aussi un eyeliner noir violet de chez Barre Minérale que j'adore. J'ai aussi un autre eyeliner noir que vraiment j'apprécie énormément. Ce sont des... En fait, je ne peux pas m'en passer. Voilà, encore... je l'ai en double, le Barre Minérale. Je l'adore. Mais vraiment, il est noir mauve... Il est super. J'en ai un aussi de chez NYX qui est pas mal. Alors là, c'est un rouge à lèvres color riche de L'Oréal. Je ne me rappelle plus du numéro parce que vous comprenez bien que là, en fait, je parle en off parce que malheureusement, il y avait trop de bruit dans le train et je n'ai pas pu... voilà, alors ça c'est un rouge à lèvres ultra mat, rose. Je ne peux pas vous dire le numéro parce que sur le coup j'aurais pu vous dire tout, mais malheureusement c'est pas possible. Voilà, dans le train il y avait trop de bruit, c'était inimaginable, c'était pas pensable. Là c'est celui bien sûr que je utilise tout le temps de chez Nocibé. Ça c'est mon produit pour les yeux, pour l'antifatigue. Ça c'est le polar que j'ai eu dans ma Birchbox. Franchement, je mets énormément de choses dans ma pochette de maquillage quand je pars en voyage, que ce soit une journée ou... Voilà, ça c'est le polar, il est vraiment super, c'est un petit roller, un défatigant et en même temps, ça sert pour les cils, pour allonger les cils, bref. Ça c'est ma petite clé pour la lumière, tout ça c'est mon petit kit pour le téléphone. La petite éponge que je viens de vous montrer en passant. Et bien sûr, le truc mort de rire
pour du sport. On devait s'en servir et j'ai oublié de m'en servir. Voilà, donc tout ça, le petit truc pour le sport, c'était une blague. Hein. Mais sinon, tout ça, c'est vraiment ce que j'ai dans mon sac régulièrement. Je pars avec ma maison. On se retrouve un petit peu plus tard. Alors, je voulais dire que j'ai trouvé une sœur de cœur, une personne merveilleuse, gentille, son chéri est adorable aussi. Ce sont vraiment des amis formidables que j'aime de tout mon cœur. Pinkette, Mamie Corinne, je vous la recommande à 1000%. Allez sur sa chaîne, elle est géniale. Je l'aime, c'est vraiment une sœur. Je sais pas, je peux pas vous dire. C'est vraiment tout pour moi. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et merci 1000 fois d'être mon amie. En peu de temps, on peut vraiment avoir une amie et je vous assure que c'est sincère. Je l'aime très, très, très fort.